tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo coloriage. Alors j'ai commencé un coloriage, là il est commencé un peu, voilà, j'ai pas fait beaucoup dessus mais ça m'a pris un peu de temps quand même pour le peu que j'ai fait. Donc c'est sur le livre Manga Style de Kevin Theo Art, voilà, que je vous avais présenté. Je vous remettrai le lien ici quelque part à un moment de la vidéo. Et donc là, c'est du manga, hein, ce livre. Et donc moi j'aime bien le manga, je vous l'avais déjà dit, de temps en temps j'en dessine moi-même. Mais bon, comme ça, à part, hein, je griffonne du manga de temps en temps. Et là, bon, j'ai commencé donc celui-là. J'ai choisi un des dessins qu'il y avait dans le livre. Donc c'est le livre, c'est le dessin qui est à la page 12 du livre. Et donc cette fois-ci, là pour commencer, j'ai fait déjà avec mon encre or de Winston et... Je sais jamais, les noms en anglais, moi, c'est une horreur, je ne sais jamais les dire. Bon, je vous le marque là en dessous, hein, ou je vous mettrai... de toute façon, je vous mets en barre d'infos les produits que j'ai utilisés. Et donc, j'ai d'abord fait tous les petits cœurs de fleurs, les pistils, voilà, j'ai fait tout ça en or pour que ça ressorte bien. Et après, je me suis attaquée aux fraises, parce qu'il y a des fraises dans le dessin. Et donc, même les petits points des fraises sont faits en or. Donc, voilà ce qui est fait aujourd'hui sur ce dessin. Vous allez dire, j'ai pas fait grand-chose, mais ça a pris quand même un certain temps. Donc, j'espère que ce début de coloriage et ce nouveau coloriage va vous plaire. Je vous remets en barre d'infos tous les liens, hein, pour retrouver le livre. Là, par contre, j'ai pas utilisé mes Polychromos. J'ai ressorti mes Prismacolor. Voilà, il faut bien que je les sorte de temps en temps, hein, qu'ils prennent pas la poussière. Puisque là, les Prismacolor, je trouve que les pigments sont plus... Comment ? Plus pigmenté, plus cash. Et pour un manga, je préférais ça. Donc vous verrez, hein, le résultat, c'est vrai. Je pense que c'est crayon qui va mieux pour les mangas. Donc je vais vous laisser visionner cette petite vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, comme d'habitude. Et on se retrouve très rapidement pour la suite. La suite arrivera très rapidement, comme d'hab, hein, il n'y a pas de problème. Et voilà, allez, on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo, une nouvelle aventure et plein de belles choses, comme d'habitude. À bientôt, bisous bisous, bon visionnage.